Salut YouTube, c'est le Petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit projet que je suis en train de faire en ce moment dans mon jardin. Donc en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid, il commence à geler. Et donc le projet est un petit peu au ralenti. Mais c'est pas grave, j'essaie quand même de l'avancer le plus possible à ma manière. Et je pense que je vais vous faire suivre ce petit projet tout au long de son développement. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Voilà, donc voici mon nouveau projet du moment. Comme je vous l'ai dit, il est un petit peu ralenti puisque c'est une construction en terre et en paille. Eh bien, le séchage est fortement ralenti. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ici, on a la paille. Très simple à récupérer. On prend le râteau et on va venir gratter au pied des arbres pour récupérer l'herbe sèche. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Et donc là, on a la paille. Bon, ici on va retrouver le trou dans lequel j'ai prélevé toute la terre pour le moment. Et je pense qu'au final on aura un bon petit bassin dans lequel viendra s'écouler les eaux de pluie du toit qui tomberont là dans une rigole par terre qui ira dans notre petit étang. Voilà. Donc, voici pour le moment la cabane, pas très très grand, 3-4 mètres carrés, et encore, je suis gentil, structure poteau-poutre. Donc on a 4 poutres, poteaux, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont plantés dans le sol à environ 50 cm de profondeur. On a le haut qui est taillé en biseau, et on va avoir une petite poutre comme ça là, deux petites poutres qui vont venir s'aligner dessus. Et on a le toit en tôle qui est posé par-dessus. Et donc voilà, tout ça c'est du 100% fait maison, 100% recyclage. D'ailleurs ça se voit, radé un petit peu le tas de ces toiles. Bon, je viendrai réparer ça. Mais bon, voilà. Donc tout ça, ça coûte zéro, nada. Et donc moi, j'adore. Là, on a la petite cheminée, ce que je me suis tant pressé de construire pour me réchauffer un petit peu hein, par ce temps hivernant. Et donc voilà, qui marche très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui est assez impressionnant et que voilà, je pensais pas forcément, c'est vrai qu'on a forcément des préjugés au départ, à la base, c'est vraiment la solidité du matériau, même si j'ai pas moi enlevé les pierres, voilà, hop là, j'en ai enlevé une, même si j'ai pas moi enlevé les pierres. Eh bien, c'est assez solide et bon, pour le casser, je peux vous assurer que là, il faudra au moins la pioche. Hein. Donc voilà, hop, je vais vous montrer hop l'arrière. Voilà, petit tour rapide du potager. Voilà, bon là, c'est la sortie des fumées. Et donc voilà ce que ça donne. Et là, on voit bien la. Les couches qu'on pose, hop, ça, la dernière couche que j'ai posée, celle-là. Ensuite, on en a une autre là, une autre juste en dessous, une autre là. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Faut surtout pas construire tout un pan d'un coup, ça tiendra pas. Voilà. Hop, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous faire suivre l'avancement de ce petit projet. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Allez, ciao!